Salut! Alors aujourd'hui, dans cette vidéo consacrée à cette Corsa, je vais vous faire découvrir un mode Hypo le 21, une voiture, un concept car de course, donc fait par une équipe de modeurs chinois. Ça a l'air assez prometteur sur le papier, puisque c'est quand même une voiture qui est assez racée, assez fuselée, on va dire, et qui est propulsée par un V12 de 700, plus de 700 chevaux, rien que ça. Donc ça devrait être assez intéressant. On va aller dans le jeu, un peu détailler tout ça. Et ensuite, on fera quelques tours de circuit, voir si le ramage se rapporte au plumage. Voilà donc à quoi ça ressemble la Hypo, le 21. 21 Chao Feng Shu. Ouais, bon, ça doit être le nom du gars. C'est un concept car de course. Dessiné et fabriqué, ouais, si on peut dire ça comme ça, by Paul 428 Design, donc un cabinet de concept automobile basé à Shanghai en 2021. Donc c'est nouvelle marque qui produit, non, qui fournit ses services au développement de véhicules concept pour l'e-sport. Ah d'accord, ouais d'accord, c'est uniquement du fictif quoi. Donc, 21 est inspiré par la légendaire 900 GT1, rien que ça. Et elle absorbe l'esprit de la Porsche 917K. Ah ouais, quand même! Donc, le design de la carrosserie est basé sur une GT classique. Les proportions d'une GT classique avec un styling moderne. Voilà, l'aérodynamique, blablabla, ouais, donc 700 kg de downforce à 200 km/h, voilà, propulsé par un 5 litres 9 V12 qui fait 712 chevaux à 9000 tours minute. Ouais, ça devrait être sympa ça, bon, ok. Donc allez, on va aller tester ça. C'est vrai que l'avant me fait un peu penser à la 917K, c'est vrai. On va aller tester ça sur un circuit où il y a une grande ligne droite pour voir un peu si c'est prometteur. À savoir le circuit de Barcelone. Évidemment sans cette chicane qui l'a défiguré. Alors, il faut bien l'admettre, au niveau design, ouais, c'est assez impressionnant, hein, quand même. Surtout cet aileron derrière qui fait un peu trop manga à mon goût, si je peux dire ça comme ça. Un peu trop pointu. Un peu trop élancé, je trouve. Un peu trop kéké tuning, on va dire. Allez. Donc sinon, à part ça, oui, les proportions sont jolies. C'est un beau design, belle auto. Hein. Allez, on va se mettre dedans. Alors, avant de commencer, le retour de force est très, très, très mou. J'ai été obligé d'augmenter dans le volant, dans le jeu, pour avoir quelque chose... Bon, moi, je roule avec un retour de force assez fort. Pour avoir quelque chose d'à peu près correct... Donc, mais le retour de force est mou et je sentais pas grand chose au début. Moi, j'aime pas quand le retour de force est mou et quand on sent rien. Alors, par contre, le son, V12 qui prend 9000 tours, effectivement, on constatait que c'est assez sympa. Ça freine très bien aussi. Allez, on va faire le premier tour tranquille. Oui, ouais, 700 chevaux, hein, faut pas oublier, hein, quand tu accélères avec les pneus froids, ça peut faire bizarre. Hein. Ça freine bien aussi. Hein. Par contre, pour tourner, il faut une astuce pour mieux tourner avec cette voiture. Il faut charger le train avant au freinage. Sinon, elle ne tourne pas bien, hein, voire elle s'ouvre. Donc, il faut piloter en ayant ça à l'esprit. De rentrer sur les freins dans les virages, encore là j'ai un peu exagéré mais ça n'a pas bien fonctionné. Alors il y a un ABS pas réglable, enfin c'est 0 ou 1, et un anti-patinage
pareil, 0 ou 1. J'ai mis les 2 sur 1, hein. Je passe le c'est d'origine en fait. Allez, voyons voir un peu. Et on prend avec 100 gens. On doit taper le 300 tranquille avec 700 chevaux. Hein. La boîte est à 6, à 7 vitesses. Le son est sympa, j'aime beaucoup. Hein. Comment, pas 300. Quelle déception. Quelle déception, seulement 280. Ah, elle tourne pas. Hein. La direction est un peu trop démultipliée aussi, il faut bien le dire. Voilà, rentrer sur les freins pour que la voiture tourne. Il faut charger le train avant au freinage. En entrée de courbe. Sinon, si on le fait pas, la voiture ne tourne pas bien. Ouais, elle ne tourne pas bien de toute façon. L'antipatinage, l'arrière quand il accélère, bon, et après il est que sur un, hein, évidemment. On va rentrer sur les freins. Si on veut avoir la voiture qui tourne comme il faut. Alors 280 seulement, ah, c'est pas possible, j'ai mal lu. Plus de 280. C'est quelle déception. 700, plus de 700 chevaux et tu prends que 280. Notez que j'ai rien touché au niveau aéro. Hein. J'ai laissé d'origine. Hein. Malgré l'ABS, ouais, tu bloques quand même les roues. Hein. C'est l'ABS qui sert à rien. J'ai un pneu qui chauffe pas. L'arrière droite qui chauffe moins. Les pneus droits qui chauffent moins que les autres. Ça, c'est parce qu'il doit y avoir plus de virages à gauche que à droite sur ce circuit, à droite que à gauche sur ce circuit. Ouais, si tu freines pas, si tu mets pas un peu de frein, elle tourne pas. Ah, quelle déception de ne pas prendre 300. On va bien rester sur les freins jusqu'au point de corde pour faire tourner la voiture. Voilà. C'est un coup à prendre, hein. Là, du calme, hein. Trouver le frein, stopper le train. Voilà, bien rester sur les freins jusqu'au point de corde. C'est la méthode qu'il faut appliquer avec cette voiture si tu veux qu'elle prenne les virages. Thank you.
ce retour de force, malgré que j'ai augmenté. Il est quand même mou, hein. Il est quand même mou. C'est quand tu braques que ça devient mou, alors c'est un peu contre nature, je trouve. Et ça freine, hein, par contre. Hein. Ça freine bien. Hein. Ah, j'ai pris l'arbre, j'ai pris la soute loupe, après tu reviens pas. Le point de corde, tu le rechoppes pas, hein. C'est pas possible. Hein. T'as un bon paresseux. Hein. T'as un assez paresseux. Hein. Bon, les freins sont bons, ça, ça vient, y a rien à dire. Hein. Avant ça le fait pas. Là, c'est inutile de mettre la 3 là. La 6, ça sert à rien. Reste, tu loupes le point de corde, tu y reviens pas. Hein. Ah, c'est sympa. Mais ce travail me gêne un peu. Hein. Le fait que le retour de force soit mou, qu'il soit paresseux, et qu'il faille le charger à mort au freinage pour que la voiture elle tourne comme il faut, ça m'embête un peu. C'est le niveau du train avant qu'elle pêche cette voiture. Précision et d'incisivité, on va dire. J'ai essayé de tourner, de freiner et de tourner sans les freins. Vous voyez, elle tourne pas la voiture. Tu fais ça, ouais, regardez comme elle s'éloigne du point de corde. Il faut bien charger le train avant, bien appuyer dessus. Donc. Ce niveau-là, il va falloir travailler un peu, monsieur Cheng. Cheng Fui, bon, bref, j'ai oublié son nom. Alors, ben voilà, vous voyez, dès qu'on charge pas le train avant en freinage, la voiture tourne pas. Ah, je relâche, vous voyez, regardez. Vraiment freiner jusqu'au point de corde, c'est ce qu'on fait avec une voiture de course normalement, pour que la voiture prenne les virages. Sinon, ben, ça va tout droit. Ou alors tu prends le virage, mais à l'arrêt. Voilà, faut bien charger le train avant. Ouais, je vais me faire un dernier tour. Aïe. Non, je prends pas le dernier tour, ça m'a gavé, voilà. Ça m'a gavé cette bagnole. Bon, mais c'était prometteur sur le papier, hein. Ça l'est moins en vrai, hein. Avec le volant à la main, ça l'est moins. En grande partie dû à deux choses. Le retour de force extrêmement bizarre. Extrêmement mou déjà d'origine. Moi j'aime les retours de force durs. Hein. Ceux qui aiment le retour de force mou ne seront pas dépaysés. Moi j'aime bien savoir ce que j'ai entre
ce qui se passe entre les roues et le volant, hein, entre la piste et le volant, entre les roues et la piste. Donc là, c'est pas le cas, j'étais obligé, j'étais à 48% sur le volant, je suis monté à 65, c'est à 100% dans le jeu, je suis monté à 140, pour vous dire, c'est vraiment mou. Donc, et puis ce train avant qui est vraiment bizarre, hein, si tu freines pas, si tu ne charges vraiment pas au freinage en entrée de courbe, ben, la voiture elle tourne pas, hein, ou pas beaucoup, ce train avant est paresseux, pas précis, pas vif, ouais. Et puis, troisième chose, un peu aussi déçu, hein, Barcelone, il y a une grosse ligne droite, tu prends pas 300 avec la voiture, prends tout juste 280 alors qu'il y a 700 chevaux. Ben, un problème, il n'y a pas 700 chevaux, c'est pas possible. Donc, ouais, mais je pense qu'il y a du boulot encore. C'est une voiture sympa, mais bon, c'est pas, il n'y a pas de quoi se lever la nuit, quoi. Elle est jolie, elle est bien dessinée, le son est très sympa, mais non, il faut encore bosser, hein, monsieur, j'ai oublié son nom, Cheng Fui, Cheng Fu, bon, bref, il faut encore travailler, parce que là, le train avant, ça va pas du tout. Et le retour de force non plus, ça va pas du tout, quoi. Je vous mets le lien dans la description, c'est gratuit. Donc, si vous voulez essayer vous aussi, voir ce que vous en pensez. Mais moi, je ne suis pas convaincu réellement par cette voiture. Voilà, si vous aimez cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez me soutenir avec du matériel Fanatec à commander, utilisez le lien dans la description de la vidéo. Et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Ciao!